Hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te partager l'actualité cybersécurité des derniers jours. Reste bien jusqu'à la fin pour ne rien rater. Le ransomware Lockbit était le plus nuisible et le plus dangereux au monde. Il a fait de nombreuses victimes comprenant des hôpitaux, des mairies, des entreprises, etc. Il a causé des dégâts estimés à plusieurs milliards d'euros. Le groupe a par exemple perçu des rançons dont la somme atteignait les plus de 120 millions de dollars aux États-Unis. En plus d'être utilisé par ses développeurs, Lockbit était proposé à d'autres pirates en contrepartie d'un pourcentage. Il était exploité dans le cadre d'attaques pour vol de données et chiffrement de fichiers. Les victimes recevaient ensuite une demande de rançon à régler en crypto-monnaie. Le 20 février 2024, les autorités de nombreux pays ont fait une annonce comme quoi le groupe Lockbit a été démantelé grâce à la collaboration des forces de l'ordre de plusieurs pays dont NCA, Europol ou encore Eurojust. L'opération Chronos menée par ces derniers a duré 3 mois et s'est soldée par l'arrestation de nombreuses personnes en Pologne et en Ukraine, la fermeture de plus de 200 comptes de crypto-monnaie et la saisie de l'infrastructure technique et du site de Lockbit. Est-ce vraiment la fin de Lockbit? D'après VX Underground, le groupe va reprendre ses activités. Affaire à suivre. Alex Gaze, le français propriétaire du site e-commerce boutiquerome.com, a été victime d'un piratage. Cette histoire date de mai 2023. Un cybercriminel a réussi à hacker son site et à modifier l'IBAN. Cela a causé l'acheminement des paiements vers le compte du pirate. Guest ne se doutait de rien avant d'avoir engagé un robot virtuel qui, en inspectant le parcours d'achat, a détecté une faille. Dès que Guest a remarqué le problème, il a monopolisé son équipe pour rectifier l'IBAN et corriger le parcours d'achat. Il a également restauré les services et effectué une analyse de cyberattaque. Conformément aux exigences de la RGPD, il a aussi envoyé une déclaration à la CNIL. Guess a ensuite renforcé la sécurité de son site et a décidé de changer de serveur. Entre-temps, son équipe a prévenu les clients et a même remboursé certaines ventes. Tout cela a coûté cher à Guess, de plus l'assurance de l'entreprise ne couvrait pas ce genre d'attaque. Suite à cela, en plus des mesures qu'il a prises, il a décidé de souscrire à une assurance qui couvre les piratages. Le groupe LulzSec a revendiqué le piratage de 600 000 comptes de la caisse d'allocation familiale sur Telegram et un réseau social. Pour le prouver, il a publié une capture d'écran où on peut voir 4 comptes utilisateurs comprenant des informations personnelles sensibles. Un autre membre du groupe a aussi publié une liste floutée sur un réseau social montrant une dizaine de lignes qui pourraient contenir des données sensibles d'utilisateurs. La CAF dément toutefois ce piratage et a affirmé qu'il n'y a eu aucune faille détectée sur le site caf.fr. Elle a quand même pris des mesures comme sécuriser le compte de 4 utilisateurs de la capture d'écran, déposer une plainte et informer la CNIL. Elle a également invité les utilisateurs à sécuriser leur mot de passe. Quant à LulzSec, le groupe affirme qu'il prépare un coup pour les Jeux Olympiques à Paris et a confirmé qu'ils ont déjà un accès temporaire à une page du site de réservation officielle. Il est aussi possible que LulzSec soit derrière le piratage d'une vingtaine d'espaces clients d'EDF le 19 février. D'après Europol et les chercheurs de Microsoft Threat Intelligence, des gouvernements financent des hackers et certains de ces pirates exploitent des outils basés sur l'IA dans le cadre de leur activité. Parmi ces outils, il y a ChatGPT d'OpenAI. Selon Microsoft, parmi les pirates qu'il exploite, il y a des gangs de hackers russes mandatés par le Kremlin. Ils sont connus sous le nom de Forest Blizzard ou Fancy Pierre. Ce gang utilisait ChatGPT pour comprendre des sujets d'ordre technique comme les protocoles de communication par satellite ou l'imagerie radar par exemple. Ces pirates utilisaient également ChatGPT pour la rédaction de scripts et l'automatisation de diverses tâches. À part ce gang, les hackers nord-coréens Emerald Slit exploitent aussi l'IA d'OpenAI. Ces pirates sont financés par le gouvernement de Kim Jong-un et utilisaient ChatGPT afin de rédiger des messages de phishing convaincants. À part ces cybercriminels, il y a également des pirates iraniens comme Crimson, Sandstorm et des hackers chinois comme Charcoal Typhoon ou Salmon Typhoon qui utilisaient l'IA d'OpenAI. Ce dernier a bien sûr pris des mesures en désactivant les comptes de ces cybercriminels. Avant de te présenter la prochaine actu, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo si tu aimes ce contenu. Ceci va permettre à YouTube de pousser la vidéo à d'autres personnes. Merci pour ton soutien. D'après l'entreprise de cybersécurité russe Group IB, il y a les pirates qui ont développé un malware dans le but d'exploiter la reconnaissance faciale des iPhones, d'intercepter des SMS tout en utilisant l'intelligence artificielle pour cibler des comptes bancaires et les vider. L'attaque en question a été localisée en Asie-Pacifique, mais elle risque de se propager rapidement.
Selon cette société, les hackers utilisent un malware capable de collecter des informations de reconnaissance faciale. Ils combinent cette technique à une collecte de documents d'identité et une méthode d'interception de SMS. Il n'y a pas de faille dans les données du Face ID des iPhones, comme l'indique GroupIB. Les hackers volent plutôt des captures faciales et les transmettent à un service d'échange de visages qui crée par la suite des deepfakes via l'IA. Après, ils utilisent des SMS interceptés provenant des banques pour accéder aux comptes bancaires et les vider. Initialement, l'attaque a été lancée via le service Test Flight. Maintenant, les hackers propagent ce malware en utilisant des techniques d'ingénierie sociale. Les cibles peuvent en être victimes en cliquant sur un lien ou en téléchargeant une application compromise. Le 14 février, la cyberpolice ukrainienne a arrêté un hacker de 31 ans. Ce dernier a mené une opération de vol de données qui lui a permis d'accéder à des informations bancaires de plusieurs Américains et Canadiens. Il vendait ensuite ses données sur le dark web. Pour réussir son opération, il a réalisé la création et la promotion de nombreux sites web. Il propose ensuite ses logiciels trojanisés sous forme de ressources gratuites. Quand des utilisateurs de ces sites téléchargent un logiciel gratuit, des charges utiles sont déposées, diffusées sur leur ordinateur ou mobile. Les malwares se chargent ensuite de voler les données. Le hacker les a tout d'abord utilisés pour pirater les comptes de Google et accéder à des services bancaires. Il a ensuite vendu les données à d'autres pirates. Les transactions se font en Bitcoin et les échanges sont réalisés via un numéro russe. Les autorités ukrainiennes ont affirmé que ce hacker a réussi à voler plus de 92 000 dollars et ont saisi certains de ses biens, dont un SUV Mercedes-Benz qui coûte environ 65 000 dollars. Il risque en plus 8 ans de prison. Des hackers ont attaqué 100 hôpitaux en Roumanie du 11 au 12 février. Parmi ces hôpitaux, il y a des centres de traitement du cancer, des centres régionaux, etc. Ces cybercriminels ont réussi à chiffrer les données de 25 de ces hôpitaux. Suite à cette attaque, le système d'information Hippocrate utilisé par ces établissements a été mis hors ligne. Ce système permet à ces hôpitaux de gérer les données des patients ainsi que les activités médicales. L'attaque était un ransomware qui a chiffré les fichiers et les bases de données des serveurs qui exécutent le système d'information. Ce ransomware a ensuite engendré une panne du système. Les hackers demandent une rançon de 3,5 bitcoins, soit environ 157 000 euros. Des experts de la Direction nationale de la cybersécurité ont été sollicités pour mener une enquête et chercher des solutions pour régler le problème. D'après ces experts, les hackers ont utilisé un ransomware appelé PackMyData. Il s'agit d'une variante du ransomware Phobos. En attendant, les hôpitaux touchés travaillent principalement sur du papier et ceux qui n'ont pas été ciblés ont adapté des mesures de précaution exceptionnelles. Ces hackers n'ont vraiment aucune pitié. D'après un rapport du gouvernement canadien, il y a près de 90 000 voitures volées par an au Canada et les pertes causées atteignent chaque année 1 milliard de dollars. Parmi les mesures prises par le gouvernement pour prévenir les vols, il y a l'interdiction de Flipper Zero et des appareils similaires. Le gouvernement canadien pense que des personnes malveillantes peuvent les utiliser pour voler des voitures. Pour information, Flipper Zero a été conçu pour les tests d'intrusion portables. C'est également un outil de débogage de matériel informatique et numérique. De nombreux utilisateurs ont déjà publié des vidéos de tests de Flipper Zero. Dans ces contenus, on peut voir la capacité de l'outil à déverrouiller des voitures via des attaques par rejeu. Il peut aussi ouvrir des portes de garage, copier des clés numériques, etc. Suite à ses capacités, François-Philippe Champagne, le ministre canadien de l'Industrie, a publié un tweet comme quoi le gouvernement interdit désormais l'importation, la vente et l'utilisation de ce genre de dispositifs au grand public. A noter qu'Amazon a aussi interdit la vente de cet outil depuis avril 2023. Vyacheslav Igorevitch Penchukov a été inculpé par le ministère de la Justice américain en 2012 pour une affaire de vol de millions de dollars liée à l'utilisation de données volées avec le malware Zeus. Certaines sources l'accusaient de diriger d'autres gangs de ransomware, dont Maze et Egregor. Il a aussi dirigé les opérations du groupe de malware IceID et a d'ailleurs fait partie des hackers les plus recherchés par le FBI de 2018 à 2021. Le groupe utilisait IceID pour voler des données et pour permettre à d'autres pirates de déployer des ransomware. Grâce aux relations politiques de Penchukov, comme celles qu'il entretenait avec le défunt fils de Viktor Yanukovych, l'ancien président ukrainien, cette inculpation n'a pas abouti. Cependant, en 2022, il a été arrêté en Suisse puis extradé aux États-Unis en 2023. Il est accusé de complot de vol et de fraude suite à son implication principale en tant que leader du groupe Zeus et IceID.
Il a plaidé coupable et risque une peine de 20 ans de prison pour chacun des chefs d'accusation qui pèsent sur lui. La condamnation de Penchukov est prévue le 9 mai 2024. Google a créé un nouvel outil open source baptisé Magica, basé sur l'intelligence artificielle. Ce logiciel permet d'identifier des fichiers, y compris des fichiers malveillants. Contrairement aux méthodes conventionnelles de détection, Magica offre une précision globale de 30 à 95% afin d'aider les défenseurs de la cybersécurité et assurer une précision maximale rapidement. L'outil utilise un modèle d'apprentissage personnalisé et hautement optimisé. Il utilise également les fonctions d'ONNX, un écosystème d'intelligence artificielle open source. Grâce à cela, Magica peut identifier précisément un fichier en quelques millisecondes seulement. Avec ce logiciel, Google achemine des fichiers de Gmail, de Safe Browsing ou de Drive vers des scanners de sécurité afin qu'ils puissent être identifiés. Google a créé Magica comme initiative pour renforcer la sécurité et équilibrer les forces entre les pirates et les défenseurs de la cybersécurité. Pour information, Google a aussi lancé un outil de traitement de texte multilingue qui dispose de fonctionnalités de détection de contenus dangereux comme les emails malveillants dans Gmail par exemple. Cet outil a été dévoilé en novembre 2023 et est baptisé RedVec. Voilà, c'est tout pour cette actualité décalée sur la cybersécurité.